j'ai pas le nom. J'ai pas le nom du personnage, mais il a vraiment du charisme. C'est le roi. Le roi avec le tigre, là. Enfin, la tigresse. J'ai pas retenu le nom du mec, mais... En tout cas, ce personnage, il m'a... Franchement, le gars, en un épisode, il m'a plus intéressé que tous les autres des autres saisons, là. Type Eugène. Sur le film, ça parle encore de drogue. Faut croire qu'il est
essayer de blanchir de l'argent, de l'argent de la drogue. Et en même temps, on le voit. Enfin, on le voit être avec eux tout le temps. Donc, faire un jeu d'acteur, c'est tiré d'une histoire vraie. Franchement, des fois, il fait des erreurs. Franchement, il a eu du bol parce que. Un peu après, je sais pas si c'est. Si ça c'était. Ouais, non, peut-être que c'était rajeunement pour le film. Mais il fait des erreurs des fois. Par exemple, à un moment, il y a la mallette. Ils sont tous autour de la table. Et donc, ils enregistrent, à chaque fois, ils enregistrent des conversations. Dans la mallette, il ne quitte jamais. Et à un moment, il y a. Je sais plus, enfin, il y a un courant d'air comme ça. Et puis d'un coup, il y a. On entend la bande parler. Et il se dépêche de couper. Mais le mec à côté de lui. Il a entendu. Et bon, après, ça va pas mal se passer pour lui, pour l'entendre. Donc, il a du bol sur ce coup-là. Mais à chaque fois, il passe pas loin, quoi. Et... Oh, mais il a un truc aussi, j'ai aimé, c'est la scène de mariage. Parce que oui, il doit faire quoi? Il fait croire. Parce qu'à un moment, il était invité dans un club de striptease et il a pas voulu coucher avec une des stripteaseuses. Et pour pas faire. Pour pas attirer l'attention parce que eux ils comprennent pas qu'il ait dit non alors au cadeau qu'on lui offrait. Il a dit mais je vais me marier, j'ai pas envie de faire de conneries. Et donc du coup ben hop, il doit s'inventer une nouvelle femme et il a pas pris la plus moche. Ils vont lui mettre Diane Kruger comme femme. Elle est vraiment super belle franchement et elle est bien dans le film. Je la connais pas trop en fait comme actrice. Elle est bien quoi, il faut un bonjour. Enfin, moi, c'est surtout Bryan Cranston que ça me fait du bien de le voir. Franchement, je ne l'avais pas revu depuis Breaking Bad, depuis la. J'imagine. Depuis la dernière saison de Breaking Bad. Et ouais. Et franchement, ça fait plaisir quoi. Il y a des petites mimiques et tout. Des fois, ça fait un petit peu l'univers de Breaking Bad. Mais bon, on oublie vite parce que bon, c'est pas. Ça n'a rien à voir. Mais... Enfin, ça n'a pas rien à voir, mais bon, bref. Non mais ce que bien quand il va se marier, le faux mariage, il y a tous les gars, ils sont venus, tous les tueurs, ils sont tous là, ils sont super contents pour lui. C'est... Même un en fait, il s'est un petit peu attaché à l'un des tueurs. Je sais plus son nom, c'était un Mexicain et tout, je sais pas retenu. Mais Emilio je crois. Je sais plus. Et là, Diane Kruger, elle s'attachait à la femme aussi du gars. Et il était recherché, mais il va venir exprès au mariage pour pas rater. Et quand il va voir après à la fin, quand ils se font tous arrêter et qu'il voit que, en fait, lui c'était. Le train de la fille à la fin, comment elle les insulte. Héros de Bouddha, héros des Bouddhas.
négatif, hein, de sa part.